Bonjour à tous, une petite vidéo d'ouverture de four encore une fois, et cette fois-ci commentée, parce que pour une fois j'ai pas oublié de brancher mon micro, donc je vais pouvoir vous donner quelques petites explications. Alors là le four est à peu près à 50 degrés, donc on peut y aller. Encore un petit peu tiède, mais ça doit pas être... Ouais, ça va. Alors il y aura certainement des surprises ici, puisque je me suis aperçu à une fois avoir lancé la cuisson, que je m'étais trompé entre deux composants d'un émail, bon, qui sont pas diamétralement opposés, mais qui risquent de donner quelques surprises comme celui-ci par exemple. Voilà, ça va donner des teintes un peu inattendues. C'était pas forcément ce que j'attendais, mais ça va. Encore une petite geisha. Alors ce modèle-ci sera probablement la dernière fois que vous le verrez. Je vais arrêter de faire ce modèle de pied. Changer un petit peu. J'ai quelques nouveautés qui arrivent et du coup je vais arrêter de faire certains pieds. Donc pareil, encore une petite couleur inattendue. J'attendais pas ça, mais c'est pas mal. Je sais pas parce que ça reste discret, je trouve. Alors dans les nouveautés, justement, voici un nouveau modèle de pied. C'est la première fois que je le fais, celui-ci. Ah, pareil celui-ci, ce pied, je pense que vous allez beaucoup moins le voir aussi maintenant. Je suis assez content de celui-ci parce que cet émail a tendance à être vraiment très capricieux. Je peux avoir vraiment quelque chose de très blanc comme très marron et avoir cet effet un peu vaporeux de superposition de clair et de foncé, c'est assez difficile à voir. Donc, je suis plutôt content. C'est un aspect laiteux, nacré. Alors là aussi, surprise d'émail, mais c'est un peu les mêmes que au début du four. Bon, il va falloir que je note l'erreur parce que je trouve qu'il est sympa quand même, quoi.
Et le dernier, plus grand modèle. Donc, bonne cuisson, pas de mauvaise surprise, pas de pot collé, pas de pot cassé. Ça, c'est un nouvel émail et je trouve pas mal aussi celui-ci.